Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vous retrouve avec une tête vraiment dépouillée. Nous sommes dimanche matin et en fait ben, je dors pas depuis... on est réveillé depuis 6h du matin parce que Gavin ne fait que pleurer. Donc voilà, j'ai demandé conseil à une copine qui est infirmière et elle a eu le même tour avec sa fille, donc elle m'a conseillé la bon coup. Donc du coup je suis allée chercher ça ce matin en urgence et on verra bien si ça va passer aujourd'hui. Ce matin c'était un petit peu mission, on cherchait après la tortue. La tortue en fait on l'a laissée comme il fait super bon, on la laisse un petit peu se balader dans le jardin. Mais elle s'est cachée. On a passé 20 minutes à essayer de la rechercher. Elle était sous une plante en fait. Donc voilà, c'est vrai que on a essayé de tout barricader, mais voilà, le jardin n'est pas forcément très grand, mais on perd vite la tortue. Alors au niveau de ma tenue du jour, le haut je sais plus du tout où je l'ai vu, ça devait être sûrement sur Shein ou je sais plus trop. Et la robe, enfin la robe, la jupe, elle vient de... En fait c'est une Zara, mais c'est une jupe d'occasion que j'avais eue sur Micolet. Donc pour celles qui ont vu le haul, c'était il y a un ou deux mois. Je vous avais fait une vidéo spéciale Micolet en fait, où c'est un site qui propose des... Voilà, un vide dressing, des vêtements d'occasion. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on a des affaires en très bon état hein, d'occasion et pour pas cher. Voilà, donc je vous remets le lien dans la barre d'infos de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Parce que franchement, c'est vraiment du bon plan. Donc je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'est vraiment pas mal. Alors je voulais vous montrer la grosse déception du jour. Donc j'ai brûlé ma bougie Jewel Candle. Donc c'est les bougies avec les bijoux à l'intérieur. Et là c'est la j'ai l'habitude d'en avoir hein, franchement c'est la première fois que ça m'arrive ce truc là. Mais bon quand même la bougie elle coûte quand même assez cher je trouve hein. C'est dans les 30-35 euros je crois, je sais plus trop. Et en fait à l'intérieur il se trouve toujours un bijou. Et en fait il y a un code où on peut voir la valeur du bijou qui se trouve dans la bougie. Donc en général c'est toujours des bijoux autour de 30-40 euros. Des fois, enfin apparemment, j'ai jamais eu hein, mais apparemment il y a des bijoux qui vont jusqu'à 200 euros. Bref, là je reçois, enfin j'arrive à choper mon bijou hein. Bon j'ai dû gratter avec, avec une paire de ciseaux, j'avoue j'étais pas patiente. Donc du coup là j'ai eu cette bague, bon qui ma foi n'est pas, ben voilà, enfin j'aime bien, hein, moi j'aime bien des bagues noires comme ça. Et donc je tape le code sur le site et là je vois valeur du bijou 10 euros. Donc en gros c'est genre comme une bague à la tirette quoi, enfin, c'est abusé, 10 euros alors qu'on paye une bougie assez chère pour avoir un bijou dedans. Donc bon c'était la petite déception du jour et du coup ben, je voulais partager ça avec vous. Et là, je voulais aussi vous montrer aujourd'hui un petit cadeau, enfin un super cadeau qu'on a reçu donc de la part de la photographe qui nous a fait nos photos de shooting de grossesse. Elle m'a fait en fait pour la fête des mères imprimer un grand poster en fait, un poster avec avec des jolies photos les plus belles. Alors je suis trop contente parce que ça va faire un super souvenir. Donc je compte aller chercher un cadre en fait pour pouvoir l'encadrer. Et voilà, je suis vraiment contente. Donc merci beaucoup Perrine si tu passes par là. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait trop plaisir. Donc ça va vraiment être des souvenirs inoubliables. Donc je vous mets son lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé pour faire des shootings photos avec elle. Elle est d'Arras, donc voilà, si vous êtes du Nord-Pas-de-Calais, pas très loin d'Arras, voilà, vous pouvez voir un petit peu un aperçu du travail qu'elle fait. Alors je vous retrouve le soir, je me suis pas coiffée par maquillée de la journée en fait, ça m'a fait du bien. De toute façon j'ai même pas eu le temps avec, avec Gabin qui nous prend pas mal de temps. Et puis bah, ça fait du bien de laisser respirer ma peau, comme ça je me suis mise un petit peu au soleil. Bah, je vous avais fait un petit Insta story il me semble, enfin voilà je vous ai filmé, enfin je vous avais montré juste ma jupe et mes jambes au soleil. Mais ça m'a fait du bien de me poser un petit peu, j'ai eu une petite heure de répit et j'en ai profité pour rien faire et voilà. Moi j'ai une petite glace au soleil, ça fait du bien, dans son jardin. Donc sur ce, eh bien moi je vais aller prendre ma douche là, les 22h, c'est la première fois que je vais me coucher aussi tôt. Mais voilà, comme Gabin se réveille encore toutes les 3-4 heures en ce moment, j'ai l'impression qu'il tient un petit peu plus. Je vais donner un peu plus aussi maintenant vu qu'il réclame pas mal. Bah, du coup je lui prépare directement un biberon de 120. Et en fait il les a balés avant de se coucher. Et la montre coucou, j'ai l'impression. Alors j'utilise cette nouvelle eau du coup depuis ce matin. Depuis ce midi, parce qu'il était midi quand je suis allée au magasin la chercher. Et ça fait déjà 2-3 biberons qu'il prend avec la montre coucou. Et alors je sais pas si c'est une coïncidence ou si ça fait déjà effet.
Mais il ne hurle plus après ses biberons. Donc en fait, je pense qu'il avait vraiment mal au ventre avec la cristalline et l'évian. J'ai essayé de jongler un petit peu avec les deux. Et ça ne lui convenait peut-être pas. Donc peut-être que le problème serait de l'eau. Et la Monroucou, pour l'instant, ça va. Ça plus la calmosine, je crois. Ça a l'air d'être un bon combo. Voilà, il s'est pas tordu de douleur après ses biberons. Donc voilà, espérons que ça va durer. On verra bien demain. Demain, je revois le kiné qui revient pour son pied. Et du coup, je sais qu'il travaille avec une collègue qui est ostéo. Et ce kiné m'a dit que cette collègue ostéo travaille sur les bébés et sur les bébés qui ont des coliques. Donc je pense que je vais quand même prendre un rendez-vous avec. Comme ça, voilà, si elle peut faire quelque chose pour Gabin, ce serait génial. Parce que voilà, j'aime pas du tout le voir dans cet état. Mais bon, là, ça va. Il fait dodo. Voilà, je le surveille toujours avec ma petite caméra. Donc vous me demandez beaucoup d'où elle vient. Et en fait, c'est une caméra d'un site chinois. C'était le site Gamis qui me l'avait envoyé. Et franchement, bah, j'en suis très contente. C'est la marque Ouztech. Alors je ne sais pas si c'est connu en France. Mais voilà, moi j'en suis satisfaite. Il y a la température, il y a une petite veilleuse, il y a le zoom, il y a le microphone, il y a tout, voilà. C'est juste que comme c'était chinois en fait, la prise était une prise chinoise qui ne rentrait pas dans nos prises françaises. Et j'avais acheté un adaptateur sur Amazon. Amazon où je trouve vraiment tout, hein. J'achète tout sur ce site. Et puis voilà, je crois que j'ai payé 50 centimes l'adaptateur et nickel du coup, c'est parfait. Donc sur ce, ben, je vais en profiter qu'il fasse dodo pour aller faire dodo aussi. Si je peux dormir 2 heures, ce serait top. Récupérer un peu parce que la nuit dernière, j'ai dormi encore 3 heures, je crois, 3 ou 4 heures à tout casser, mais pas plus. Et je sens vraiment que je suis en manque de sommeil. Donc là, ouais, les cernes vont commencer à se montrer de plus en plus. Donc voilà, sur ce, eh bien moi je vous laisse. Je vous fais mon désolé pour ma tête. Hein. Aujourd'hui, c'est tête du dimanche. Mais tant pis. Je vous fais plein de gros bisous. Ah, je vous ai pas montré. Je voulais vous montrer aussi un charme que je me suis pris sur Amazon aussi. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. C'est le charme là avec la main du petit garçon et le petit diamant bleu du garçon. Bon, celui-là il est retourné mais c'est rien du shopping normalement. Et derrière en fait, derrière le cœur, de l'autre côté du cœur, c'est écrit It's a boy. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, je suis super contente. Au moins ça représente vraiment mon fils. Voilà, je commence à avoir des petits charmes de maman entre le petit landau que Greg m'a offert pour la fête des mères qui est là. Et celui-ci qui est pour mon fils. Voilà. Donc sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Oh là là, j'aime pas ma tête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.